Bonjour les amis. Alors aujourd'hui petite vidéo automobile hein, pour changer parce que voilà quoi, bon, avec la moto ça devient toujours un peu pareil. D'ailleurs quelqu'un me disait que apparemment je fatiguais sûrement parce que la dernière vidéo bah ça allait pas très vite, mais enfin étant donné qu'on est déjà couvert comme c'est pas possible, donc on peut pas pratiquement pas bouger. En plus, je prends des petites routes où on a 3 mètres de large, bombées, défoncées. Donc, bah, j'ai pas l'intention de faire le cacou là-dessus. Alors, bon, voilà quoi. Il y en aura toujours qui trouveront que ou ça va trop vite ou ça va pas assez vite. Bah, là, on est en voiture et puis, bah, ça va déjà trop vite, hein, bien sûr. On va faire un petit bilan de cette Mazda 3. Je sais que ça intéresse pas tout le monde, mais enfin bon. Donc globalement, j'en suis plutôt content. J'ai eu un petit souci, puis là, apparemment, ça a l'air de s'être auto-réparé. J'ai des portières avec le main libre, hein, on va dire. Vous avez la clé dans la poche, vous touchez la poignée, ça s'ouvre. Alors lui, on va pas lui montrer la caméra, voilà. Et puis, ben, vous touchez du doigt et ça se ferme. Tiens, je vous montre ça, là, ça vous permet de voir. Regardez, je vais lâcher le pied de l'accélérateur et hop, ça ne consomme plus de courant. Et ça recharge la batterie auxiliaire. Bon, c'est pas terrible, hein. Je fais du 6 litres 5, 6 litres 8, mais si je voulais rouler un peu plus fortement, je dépasserais les 7 litres. Enfin bon, globalement, ça va. Alors donc, je vous disais que les portières, oui. J'arrivais à les ouvrir à peu près en mettant ma main sur la poignée, mais quand je touchais du doigt l'endroit où il faut mettre son doigt, n'est-ce pas? Eh ben, ça se fermait plus. Et puis là, tout à l'heure, ça s'est fermé. Alors, on verra tout à l'heure si ça continue de refonctionner. Bon, ça, c'est tous les gadgets électroniques, hein, bien sûr. Il faut que ça tombe en panne. Tant que c'est sous garantie, ça ira. Mais bon, le jour où ça sera plus sous garantie, bon, il a fait un peu froid, mais enfin bon, quand on voit qu'ils font des essais là-bas au pôle Nord. Avec les voitures, alors qu'ici on a tout juste 0, moins 1, moins 2. Bon, vous voyez, il y a un grand ciel bleu. Hein. Alors, oui, sinon, bah, rien à dire. Hein. C'est plutôt bien à conduire. Hein. Donc, je l'avais déjà dit, le rapport qualité-prix, il est quand même intéressant par rapport à, bah, par exemple, une BMW série 1. Hein. Maintenant, on est à 42, 43 000 euros, voire 45 000 euros pour les mêmes agréments que dans celle-là. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai l'affichage tête haute. Bon, et puis tous les gadgets, les caméras qui vont dans tous les sens. Des fois, d'ailleurs, ça hurle, ça vous dit de freiner, alors que bon, il n'y a rien de. C'est juste un virage, et là, il y a une voiture qui pourrait être garée dans le virage. Bon, enfin, ça ne le fait pas souvent, hein, ça a dû le faire deux fois. Donc, c'est pas catastrophique. Donc sinon j'en suis content. Alors par contre, ben, ça le fait toujours. Alors je ne sais pas, j'avais regardé les forums. Normalement la révision c'est tous les ans ou tous les 20 000 kilomètres. Bon déjà il y en a beaucoup, ça pourrait être tous les 2 ans, mais enfin bon, eux c'est tous les ans. Le problème c'est que ben, quand vous faites 1 000 kilomètres, l'indicateur de maintenance, lui, il descend de 2 000. Ce qui fait que si on regarde bien, au lieu d'en faire 20 000 par an, vous ne pouvez plus en faire que 10 000. Alors bon, moi ça va, puisque je roule pas, je fais pas 10 000 km par an. Hein. Si j'arrive à faire 8-9 000, c'est déjà bien. J'ai la moto, donc. Mais bon, quelqu'un qui ferait bah, 20 000 ou 25 000 km par an, il serait obligé de faire 2 révisions par an, ce qui commence à faire beaucoup, quoi. Alors bon, vu la différence de tarif par rapport à une voiture allemande ayant les mêmes gadgets, dirons-nous. Bon, ça reste quand même très intéressant, plus la garantie de 3 ans, donc ça reste intéressant. Mais bon, il faut le savoir. Savoir que c'est pas toujours. Vous voyez, là, j'avais 2 barres, je sais pas si vous pouvez le voir. Et là, maintenant, il y a 3 barres. Bah, il suffit de relâcher un peu son pied. Et puis voilà, ça recharge cette batterie auxiliaire. Vous voyez, il n'y a plus que 2 barres parce que là, j'accélère. Donc ça utilise, là, je relâche le pied. Bon, je sais pas si on va gagner. Alors, me demandez pas, me dites pas que je roule au milieu de la route, parce que c'est jamais facile.
de conduire et en même temps d'avoir une caméra, même si je privilégie la conduite plutôt que le discours. C'est pour ça que c'est pas toujours bien clair de ce que je raconte. Bon, enfin bon, hein, je vous fais des vidéos un peu comme ça. Ça peut intéresser ceux qui veulent acheter ce genre de voiture, une Mazda, la Mazda 3 ou le CX-30 que j'avais avant. J'aurais bien pris un CX-5 parce que je voudrais bien revenir après un SUV. Le problème, c'est que les prix ont flambé, donc et le CX-5, pour le moment, c'est hors de question. Il y a plus de 3 000 euros de malus avec une consommation qui doit être encore pire que celle-là, puisque là, on est déjà à un peu moins de 1 350 tonnes par là. Donc l'autre, il est encore plus lourd et il est profilé comme une armoire normande. Donc on va attendre des jours meilleurs. Mais comme les prix ont littéralement flambé sur toutes les bagnoles, je pense que comme ils n'ont pas de composants électroniques, il leur en manque pas mal. Donc ils vendent au prix fort ceux qu'ils ont. Comme ça, ils font plus de marge sur celles qu'ils ont. Et en attendant d'avoir des nouveaux modèles. Donc sinon, j'ai rien à dire, je suis content de cette voiture. Alors pour une famille, tiens, regardez celui-là, le gros là. Voyez, lui aussi il mord sur la route. Hein. Ah ben non, il n'y a pas que moi. Hein. Mais pour une famille, oui, à l'arrière, les places arrière sont un peu justes. Avec deux enfants en bas âge, ça va. Maintenant, bon, si vous avez des ados, c'est sûr qu'ils seront un peu serrés. Mais sinon, ça vous le voyez quand vous allez à la concession, vous allez en regarder une, voire en essayer une. Alors par contre, bon, les 186 chevaux, d'après moi, il y en a quand même à peu près 50 qui sont restés à l'écurie. Bon, ça tient au fait que malheureusement, maintenant que les normes anti-pollution, c'est comme ça, hein, on peut plus avoir des vrais chevaux. Donc c'est ce que je vous ai dit avec les motos, mais ça vaut pour les voitures. Pour moi, c'est l'équivalent de 136 chevaux. Hein. Il manque un turbo là-dessus, mais bon, je pense que si c'était plus puissant. On va attendre, n'est-ce pas? On va pas se faire là. Je pense que si c'était plus puissant, eh ben, on paierait un malus, etc. Donc là, vous voyez, c'est revenu à 3. Mais si j'accélère un peu trop fort, ça va. Il y a une barre qui va partir, donc bon, c'est pas mal cette batterie, mais enfin, c'est pas. C'était surtout une façon de tricher pour pouvoir éviter les malus. C'est vraiment une Porsche. Ah ben, t'es dedans. Donc, oui, les 186 chevaux, moi je trouve que ça met normalement 8 secondes 5 avec une boîte mécanique. Moi j'ai une boîte automatique. Donc on doit être à 8 secondes 7, 8 secondes 8, de 0 à 100. Oh, c'est pas une bombe, avec 186 chevaux, on devrait être aux alentours des 7 secondes. Donc voilà, mais c'est linéaire, voilà. C'est pour ça que ça va pas mieux que ça. Hein. Bon, je vais vous retrouver après quand j'aurai passé ce village. Bon, vous voyez, là j'ai fait une vingtaine de kilomètres, je suis à 5 litres 8. C'est plutôt pas mal, mais bon, il faudrait vraiment respecter les limitations et rouler au plus cool qu'il soit, hein, parce que sinon vous allez très très vite monter. Vous voyez, là ça va déjà, en plus ça dépend du dénivelé de votre itinéraire, parce qu'on peut très vite être à 6 litres 5, 6 litres 8, 7 litres. Donc moi je conduis pas spécialement pépère. Vous le voyez peut-être, j'ai mis une caméra là, hein, parce que comme j'ai failli me faire désintégrer déjà deux fois ou trois fois, une fois avec la moto, deux fois avec la voiture, avec des poids lourds le gars, il était, je sais pas, en train de regarder son smartphone ou de regarder un DVD, j'en sais rien. Bon, il a redressé juste à temps, mais bon, maintenant, je me dis que avec ça, bon, même si je meurs, bon, on saura que j'étais pas dans mon tort. Enfin, voilà, quoi. Bon, sinon, j'ai vu la vidéo du daron d'Aquitaine là qui râlait après les vieux. Ben, moi aussi, je râle après les vieux. Bon, je vais avoir 70 ans bientôt. Hein, donc,
En fait, tu es vieux aussi. Hein. Mais je pense que, bon, on ne peut pas généraliser, même si c'est sûr qu'on perd. Là, je viens d'aller chez le médecin pour renouveler mes cachets pour la tension, parce que, bon, évidemment, tout se dégrade hein, au fur et à mesure qu'on vieillit. Mais bon, bah, moi, je suis passionné d'auto et de moto. Et je peux vous dire que, bon, je suis tout à fait alerte. Alors, s'il y en a un là qui m'a dit que j'avais l'air d'être moins à l'aise maintenant en conduisant, non, c'est simplement quand vous conduisez et que vous êtes en train de filmer et que vous êtes en train de discuter, c'est difficile d'avoir un dialogue, un discours cohérent. Donc, parfois, bon, bah voilà, avec la moto, je suis la ligne. Bon, là, j'essaie quand même de rester sur ma voie. Hein. Mais c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, vous avez des tas de gens, j'estime ça à 80%, des gens qui que ça n'intéresse pas du tout de conduire, qui ont passé leur permis, bon, on a fini par leur donner, hein. J'ai ma sœur, elle a le permis, elle n'a jamais conduit, ça ne l'intéresse pas. Et puis, on a beau avoir fait des essais avec mon beau-frère, il n'y a rien à faire, ça la saoule. Donc, mais bon, on est à la campagne, vous êtes obligé d'avoir une voiture. Et bah souvent, bah les femmes ne conduisent pas parce que c'est monsieur qui prend la voiture. Et puis, bah voilà quoi, quand elles sont obligées de conduire si elles sont veuves, ce qui arrive quand même souvent, et bah là, elles sont en panique. Bon, vous ajoutez à ça la répression routière qui fait que maintenant, vous voyez qu'aussitôt que j'accélère un peu, bon, bah ça y est, on est assez vite. Hein. Maintenant, avec la répression routière. Bah avant, quand c'était 90, ils roulaient à 80. Bon, maintenant que c'est 80, ils roulent à 70. Il y en a même qui roulent à 60 ou 50. Enfin, ils s'endorment complètement au volant de leur véhicule. Et ça, bon, alors les jeunes, eux, ils s'endorment pas. Mais bon, comme ils jouent avec leur smartphone et autres gadgets de leur écran de voiture, bon, il arrive qu'ils fassent un peu n'importe quoi. Et puis, bon, comme tout jeune, des fois, ils roulent trop vite. Par contre, c'est le contraire. Il y a des endroits où il faut quand même adapter sa vitesse. Vous voyez, là, j'estime ne pas être un délinquant. Et puis, bon, pourtant, en fait, je le suis si on se réfère au code de la route. Enfin, ça veut rien dire. Vraiment, ça veut rien dire. Là, on roule vraiment pépère. Le seul danger qui peut arriver, c'est un chevreuil ou quelque chose comme ça. Donc, l'âge, bon, l'âge n'arrange rien, c'est sûr. Mais surtout, c'est que la majorité des gens, ça les intéresse pas de conduire. Ils le font comme ils se servent de leur micro-ondes ou de leur lave-vaisselle ou de leur lave-linge, et puis c'est tout. Et puis, là, c'est tant que ça roule, c'est bon. Donc bon, à part ça, oui, effectivement, c'est quand même saoulant. Comme vous voyez, les lignes continuent maintenant tout le long à des endroits où des fois on pourrait dépasser. Et donc, on est obligé de se traîner lamentablement. Donc, c'est comme ça. Bon voilà, sinon rien de plus que je puisse vous dire sur cette voiture. C'était juste pour faire une petite vidéo pour ceux que ça intéresse d'avoir des renseignements sur cette Mazda. Bon, ils peuvent m'en demander en commentaire. Et puis pour les autres, les abonnés, voilà quoi. Pour le moment, voilà, ça sera une vidéo voiture. Sachant que quelqu'un m'a demandé ce que je pensais prendre comme moto après, je pense qu'il n'y aura pas d'autres motos. J'essaierai de vendre celle-là, la Ducati Monster, cet été. On verra après la révision, parce que j'en ai marre déjà de me taper presque 5 heures de route pour aller à la concession. Enfin, aller-retour. Hein. Mais quand même. Et donc, comme il n'y a pas de modèle en plus qui m'intéresse, que les prix ont flambé, je pense que j'arrêterai là. Bon, après, on verra si elle ne se vend pas, comme malheureusement, je pense que ça sera compliqué. Et dans ce cas-là, je la garderai. Et puis, voilà, vous aurez encore quelques petites vidéos par-ci, par-là. Mais bon, on n'en est pas là. Voilà, les amis. Je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller à la pharmacie chercher mes fameux cachets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à plus. Voyez, Silite, c'est pas merveilleux ?